Emmanuel Bayon est un jeune artiste sorti de l'Académie Tournai en section peinture. Il a reçu le prix des arts plastiques en 2012 par la province de Hainaut. Donc, c'est un artiste issu de l'art urbain, de ce qu'on appelle le street art. Donc, on connaît plus particulièrement le graffiti. Donc, il intervient dans la ville de manière de son propre gré, sans autorisation, afin de laisser sa trace. Je suis sorti de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, donc j'ai fait 5 ans supérieurs. J'étais en option peinture, parce que recherche picturale et tridimensionnelle. Ce travail vient de différentes déambulations, observations que j'ai eues en rue, mais via aussi en fait une série de matériaux que j'avais, qui étaient des palettes, via une construction que j'ai faite, qui était une rampe PMR pour personnes à mobilité réduite, qui était elle-même éphémère. C'était une installation d'un mois, enfin, mais dans l'école dans laquelle je me trouvais, donc à l'Académie des Beaux-Arts. Et après avoir remarqué quelques trous qu'il y avait au sol, dans la ville de Tournai, donc des pavés manquants, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Enfin, je coloriais une photo à un moment donné, où il y avait donc tous ces blocs de palettes. Et je me suis dit, bah, c'est ça en fait, c'est ça qui va venir combler les trous du sol. Donc j'ai commencé l'intervention. Puis l'œil s'est aiguisé en fait à repérer à un moment donné des barrières, donc des parapets manquants au long de l'ESCO. Il y avait une notion de danger. Et puis ensuite, c'est une gouttière, et puis un banc, et une cabine téléphonique, etc., etc., etc. Donc le regard, en fait, se déplace, et enfin, il s'aiguise. Quand on traite de l'art contemporain, c'est souvent un public initié qui s'y intéresse. Pourtant, je pense que ça pourrait toucher beaucoup plus de gens. Simplement par le fait que les artistes expriment une sensibilité. J'avais envie donc d'essayer de monter des projets qui soient plus proches des gens qui n'ont pas accès ou qui trouvent que l'art contemporain est agressif. Je pense que chez les plus jeunes, il y a moyen de faire passer ce message et de susciter leur intérêt par rapport aux artistes. Et donc avec ce projet, l'idée n'est pas que les élèves développent leur créativité ou soient vraiment créateurs de l'œuvre d'art. L'idée, c'est vraiment, sur base de la rencontre et de l'expérience de cette rencontre, qu'ils aient une nouvelle définition de l'artiste. Je pense que ce n'est pas une tâche facile de rentrer dans les écoles avec les artistes. Moi, je voudrais vraiment que les artistes soient avec moi et soient... Et rencontrent les enfants, enfin les ados, ou peut-être les enfants plus tard. Parce que je pense que ça suscite aussi une certaine curiosité auprès des jeunes, d'avoir vraiment la personne qui porte le projet dans ses tripes et qui vit avec le projet. Ah ben moi j'ai commencé à rêver, hein. Je me suis dit, qu'on m'a dit ce serait peut-être possible de faire une intervention dans une école et de venir travailler avec... des étudiants et de créer quelque chose, vraiment intégrer le travail d'un artiste dans une école et au sein d'une école. Je me suis dit que c'est super chouette et il y a possibilité de faire plein de choses. Enfin, je savais pas du tout où ça allait se trouver, ni même l'école, les étudiants, etc., etc. J'étais fort enthousiaste, enfin, je trouve, et c'était bien de... Enfin, j'étais content de revenir chaque semaine. Ce qui est super chouette, c'est de pouvoir voir comment eux... voir ce qu'ils apprennent. Donc les différentes techniques, que ce soit la mécanique, l'électricité, la maçonnerie. Enfin, quand je voyais les plans en fait de ce qu'on peut fabriquer avec des briques, enfin, je me dis que ces briques, ça peut être des blocs de bois rouge. Enfin, on pourrait même imaginer travailler avec un maçon et faire quelque chose. Enfin, une intervention, une installation. Moi, je me trouve que c'est une très bonne initiation, surtout faire venir un artiste qui peut intervenir dans notre cours de cours philosophique. Notre objectif, c'est de faire réfléchir
les enfants, les élèves, quoi. Mais je me trouve que c'est vraiment une très bonne initiation. On l'a trouvé un peu bizarre, sans mentir. Mais ça va, en fait, elle est super. Enfin, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'il fait, franchement. Mais bizarre, mais... pourquoi? Bah, des gens comme ça, on a jamais vu. Enfin, les retlocks et tout ça, c'est pas trop... C'est rare. C'est rare par ici, quoi. Bon, sinon, rare, en fait, personne normale, quoi. C'est pas fanatique. Et que, quand on voit aussi ceux qui réalisent, c'est vrai que c'est un peu... C'est différent de tout ce qu'on voit tous les jours. C'est vraiment à part. Mmh. Bien sûr, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas, mais c'est différent. C'était vraiment leur proposer un échange avec une personnalité qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de rencontrer, pour peut-être qu'ils se disent « Ah mais tiens, la vie n'est peut-être pas toujours aussi rationnelle, qu'il y a une place pour l'évasion, qu'il y a une place pour l'expression, qu'on n'est pas obligé de suivre... de s'inscrire dans un moule pour être accepté, qu'on peut sortir, être original, être excentrique, et que et c'est pas pour ça que la société ne nous accepte pas. Bah, j'espère qu'ils ont, ouais, que ça leur a ouvert les yeux sur quelle peut être la place d'un artiste à l'heure actuelle dans le monde dans lequel on est. Un artiste à l'heure actuelle, c'est plus une personne qui peint juste des peintures. Enfin, il peut être polyvalent, il peut utiliser différents matériaux, il peut utiliser un peu toutes sortes de choses. L'important, c'est de comment amener en fait aussi une démarche et comment créer l'intention ou l'interaction avec ce qui nous entoure et le monde actuel. Ceux qui n'ont pas accroché au projet, c'était assez intéressant de comprendre que finalement, ce que l'artiste leur a apporté comme questionnement, c'était des questionnements existentiels, donc se demander mais à quoi ça sert, et finalement de là, ben, à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert d'être là, à quoi ça sert. Donc bon, ce sont des questions qui sont aussi liées à l'adolescence et... Et bon, voilà, ils les ont exprimés. On a tenté d'y répondre. Je pense que les professeurs vont aussi prendre leur rôle. C'est aussi de prendre, de continuer l'expérience et d'aborder ce genre de sujet. Ce contact avec un artiste qui permet aux élèves aussi peut-être de se découvrir. Ouais. Se découvrir. Enfin, eux, ils vont dans le professionnel, mais si ce contact peut leur peut-être ouvrir leurs yeux, leur esprit, pour mieux comprendre que l'art, qui a quand même un rôle très important dans notre vie quotidienne. Quoi. Au début, j'ai quand même eu du mal à comprendre. Hein. Je me demandais pourquoi il fait ça, le bonhomme. Je ne voyais pas à quoi ça servait, mais maintenant, je commence un petit peu à réaliser que... Ben, on a la fin, bien sûr.
je commence à réaliser que c'est vrai que c'est bon pour les gens, c'est beau, c'est un effet positif. Voilà quoi. Au moins on remarque qu'il y a des choses de cassées et que personne ne répare. Ça a changé votre la vision que vous aviez de ce qu'on va appeler d'un grand mot de l'art contemporain? Non, j'ai jamais trop été dans l'art et tout ça. Personnellement, non plus, c'est pas que je m'intéresse beaucoup à ce fait-là. Bon. Maintenant, je vais m'y intéresser un peu plus. On verra après. On m'a beaucoup parlé des toilettes, mais ça, je n'ai pas fabriqué de toilettes en bois. Je m'en excuse.